C'est bon, de toute façon ça tourne. Oui, mais moi je parle par message. Oh, mais c'est pas grave, Baptiste, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Si je veux dire, il y a pas. T'as pas d'excuser de toute façon. Alors, normalement, je suis dessus. Ok. POC. POC. Je connais pas de POC, moi. Hein. Non, tu connais un POC? Non? Non, mais je sais, il s'est trompé, merci. Voilà. Mais tu me prends pour qui? Mais tu me prends. Mais il me. Jérém, bon Dieu. Jérém, c'est un secret, fallait pas le dire. Chut. ça va les bottes, toi, tranquille là? Les bottes de paille, l'autre, comment il en prend soin, le mec? Eh, hey, mais comment t'en prends soin, toi? C'est fait pour les broyer. Ouais, mais pas comme ça, t'es. Non, mais. Ma peau pailleuse. Oh là là, elle est neuve, elle est déjà morte avec lui. Et toi maintenant, avec son coincé, les bottes. T'es content? Bah allez, va donc pailler au lieu de brûler du fil pour rien. Bon, je te paye pas rien foutre, moi. Pas de ma faute que je nique ta femme tous les soirs. Ah, mais moi, c'est un mec, hein, donc déjà. Je suis bille, hein, frérot, hein, je te signale, frérot, je suis bille. Hein. Oh putain. Normalement là je crois, ouais, normalement tu dois mettre une botte je crois. Pas plus parce que c'est presque plein déjà donc. Y'a déjà du fumier. Ah oui, y'a déjà du fumier, putain. Bah ça veut pas. Non, j'ai pas de. Bah si c'est bon. Ah, tu m'as fait peur parce que. Déjà? Bah yes. Bah attends, bah viens, tu vas y emmener au mouton au pire. Oh merde, mouton. Non, la capacité maximale est... Ouais, de 6 jours, je sais pas quoi. C'est suffisant pour les nourrir pendant 6 jours. Ouais, bah oui. Bah va au mouton, hein, puis vas-y, passe devant. Moi, je vais prendre un tracteur, je vais enlever la bête ailleurs, la foutre ailleurs, parce que là... Il va falloir qu'il avance pas, quand même. Attends, t'as vu la côte que c'est, là, quand même? Oh. Bah pour ce que c'est, ça suffit très bien celui-là. Hein. T'as pas foutu un T9, t'as rien de pailleuse comme ça, parce qu'à mon avis, ça va avoir la pailleuse que l'état qu'elle va être. Chef, petit problème. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait l'ouvrier? Il a foutu la moitié de mon galon en fait. Ou la machine elle a pris feu, non? La batteuse est dans l'eau. Ouais, mais de toute façon, normalement, elle est pas noyée la machine. Normalement, tu peux la sortir. Non? À part ça, elle est coincée. Elle est coincée. Ah, j'ai un mec qui tient le serveur. Ah, c'est vrai que oui, faut. La semaine, il faut qu'on envoie le. Faut que t'envoies le message parce que là, franchement, c'est plus. Je teste ça tout à l'heure et puis si ça vient du jeu, je le referai pas. Hein, parce que... Merde, je me suis trompé de truc. Attends, je te remachine ta moissonneuse. Par contre, tu vas la récupérer à la concession. Par contre, donc la coupe, elle est où? Elle est là. Hop, hop. Voilà. C'est sûr. Merci Jérém. Merci. Comme un con en plus, il y avait le symbole, je suppose qu'il y avait le symbole pour vider la paille, ça t'étale au moment que ça t'étale l'autochargeuse, tu t'arrives dans la partie. Hein? Maintenant, ceux qui ont regardé, ils vont voir, oh putain, il y a un bug de vidéo, oh mon ordi a planté. Non, non, les mecs, vous inquiétez pas, c'est Jérémy qui a fait esprit de venir, c'est tout. Hein, on applaudit bien très fort, c'est bien, merci Jérém, c'est bien, super. Ah non, plus qu'à racler la machine. Si les bottes, bien sûr, ils se cassent pas la gueule. Ah, c'est qu'on veut pas pailler les moutons. T'es sérieux, toi? Peut-être le faire maintenant. Bah, et bon, et pourquoi? Normalement, c'est pas de l'intérieur que tu fais. Quand je t'ouvre le portail. Un coup de lag.
Un autre coup de lag. Normalement à manger, oui, à manger tu la fous là, dans l'eau jusque là. Regarde, tu te rappelles la map qu'on avait l'année dernière là. Fallait pas y aller par l'intérieur. C'est sûr. Non, on peut pas. Donc on les paye pas en fait, ça va. Bah, c'est bizarre. Bah tiens, j'ai un... Ah non, je croyais que t'allais me faire coup l'autre fois que je t'avais fait. Si tu veux prendre la, le classe avec la faneuse, tu sais, bah recycler la faneuse à sa place, au pire. Et de... Bah de revendre le classe parce que là, ça devient, ça vient de n'importe quoi avec celui-là, quoi. Si ça te dérange pas. À côté du saumoir, qu'une. Ah oui, là, oui, d'accord. Non, mais en fait, tu baisses le relevage et en fait, et tu recules en marche arrière, tu le relais parce que tu sais, quand tu vas reculer, elle va partir sur la droite ou sur la gauche. Parce que tu sais, quand c'est la machine, elle est en bas, il y a l'orientation. Et donc, quand tu la relèves, elle se bloque droite en fait, la machine. Ouais, bon, moi, je vais aller foutre la bétaillère sur le côté, là, pour pas qu'elle nous fasse chier. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui la vidéo. Je peux pas sortir du magasin, ma coupe passe pas et il est trop tard pour ressortir. Ah oui, il est 19h, ouais. Bah attends, Baptiste, on s'occupe de ça après la vidéo. Oups, je viens de me prendre le portail. Et moi j'ai encore le problème de la manette. Bien sûr, et toi le classe, il me fait chier. Bah descends, au pire je l'enlève si tu peux pas, non? Ah bah ça c'est pas mon problème, moi, que ça soit ta première fois ou pas. Par contre, ouais, les cases, ça braque pas du tout. Hein. Ça dépend lesquels. Bah, lui que j'ai. C'est le petit mode, c'est le 160. Ah, oui, ouais, c'est le 160, c'est le petit du mode. Voilà, la bétail est arrêtée avec les limites dans le champ, bah, allez dès que les dans le champ, de toute façon c'est pas compliqué. Et puis ça ira bien. C'est que t'es parti où là? Je suis là encore. Je sais pas, je te vois partir du chemin. T'es parti aux prostituées, non? Non, pas encore. Ah pas encore, mais bientôt. Oh t'as droit, hein, c'est... Tu me donnes les sous, je veux bien. Mais bien sûr, Charlot. Il est bon celui-là, mais il est bon. C'est pas non plus aussi que je t'ai payé une nouvelle voiture, une villa au Brésil. Non, la voiture, non, ça ira. Non, je sais pas, tu veux quoi? Non, dis-moi, parce que tu sais... Si c'est pour me retrouver avec une deux chevaux, c'est pas la peine. Et c'est bien une deux chevaux. Bon bah non, s'il faut que je me retrouve avec une touche chevaux, hein, Jérôme. Non mais je sais que tu risques de me choisir la mauvaise voiture, tu vois. Ah non, pas du tout. Pourquoi tu gardes un plus de chien là-bas? Parce que je vais aller le revendre. Ah, tu l'emmener directement au magasin? Oui, je vais le réinitialiser, mais c'est parce qu'en fait, je viens de voir que j'étais pas connecté. On applaudit, voilà un cassos. Qui s'est même pas rendu compte qu'il était même pas admis dedans, dans la partie. Quand même, Jérém. Jérém, quand même. Avec la thune qu'on a,
Bah, que tu as mis, bien sûr, faut savoir que c'est lui qui a mis l'argent, c'est pas moi du tout déjà. C'est lui qui a mis les 9999999, hein. Quel neuf, ouais. Ah, misère, misère. Donc, bon, bah, on va se laisser dessus, je pense. Non? Ouais. On va régler le petit souci à Baptiste vite fait, et puis. Et puis voilà, tout simplement. Donc. Demain, on se retrouve pour la partie solo sur Farming Simulator. Donc, sinon, on se retrouve lundi sur la suite de la limousine. Non, c'est mardi la limousine. Voilà, donc tout simplement, on se retrouve mardi sur la limousine. En attendant, passez un excellent week-end. Prenez bien soin. Ne buvez pas trop au volant si jamais vous sortez en boîte. Enfin, bref, hein, l'info qu'il faut dire à tout le monde, bien sûr. Merci encore d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez, mettez un j'aime pas si vous voulez, comme vous voulez. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.